Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Astronir, chers amis. Donc, nous sommes dans notre pod avec toujours un objet en main. Objet que j'ai chopé ici, voilà, en cliquant, d'accord, ok, c'est bon. Ça, c'est corrigé, nous sommes toujours à la recherche de cuivre. Je pense qu'on va partir dans cette direction-là. Hop. Je vais me donner une direction. J'ai mes deux balises dans le cou... Bah merde. Hop. N'inquiétez pas, c'est juste histoire de me donner une ligne de conduite, si je puis dire. Hop, je vais partir dans cette direction-là, mais bien sûr avec mes véhicules qui sont garés dans le fond. L'objectif étant de trouver avant tout du cuivre pour pouvoir faire notre grue, si je ne me trompe pas. Ce qui m'embête d'ailleurs, c'est de voir que un de mes cuivres est tombé ici. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? D'accord, parce qu'on est repassé en fait sur un... D'accord. Hop, voilà. C'est parce qu'on était repassé sur un truc un peu plus classique. Ok, je comprends. Je cautionne et je comprends. On y va. Alors, on va passer dans cette direction-là. J'ai des balises en cas de... première nécessité, on va dire. Dans cette direction, nous n'y sommes pas encore allés, hein, je précise. Hop. En tout cas, pas de trop, je ne pense pas. Donc, je vais essayer de m'orienter tout en gardant un maximum de possibilités. Donc là, ça, ce n'est pas du... je vais par principe, regardez. Mettre une balise ici, qu'elle soit visible d'assez haut. Il veut pas la mettre, c'est rigolo. Voilà, on va la mettre ici. Et on va créer aussi rapidement merde, ça c'était pas prévu que ça aille aussi loin. Ok. Ok, c'est pas trop mal. Ok. On va essayer de creuser un petit peu ici. Histoire d'avoir vraiment la place pour passer. Ok, et ça me semble pas trop mal. Hop. Voilà, on remonte en termes d'énergie. Et du reste, donc ça me semble bon. Peut-être que je suis parti avec pas assez d'espace sur moi, hein, c'est possible aussi. Ça, ce n'est pas ce qu'il y a de plus grave. Ok, on a réussi à passer. Ici, nous avons quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? De la résine. Pour le moment, inintéressant. Là-bas, nous avons un peu plus de résine, je pense. Encore une fois, inintéressant pour le moment. Je rappelle qu'on est à la recherche de cuivre, chers amis. Cuivre qui nous permettra, normalement, de continuer à avancer en termes de construction. Oula, il y a des trucs qui apparaissent, mais ça me semble intéressant. Je regrimpe, je redescends pour éviter d'être enfoncé dedans. Je vois toujours... Je vais poser une balise ici. Je vois toujours, pour une raison que j'ignore, voilà, elle continue à se déplacer. Donc on va prendre ça, ok, avec un peu de bol il y aura du cuivre là dedans, il y en a, génial, nous avons un petit peu de chance, ça c'est de la résine. Ça, ce n'est rien d'intéressant pour nous pour le moment en tout cas. Là-bas, il y a quelque chose. Ça, c'est de la matière organique. Sans trop me tromper. Ça, je pense que j'en ai aussi. Cela dit, rien ne nous empêche de le poser ici. En termes de balise, elle est là. Ok, on progresse alors. On progresse. Là-bas, il y a quelque chose.
Wow. Là aussi, il y a des choses. Alors, excusez-moi, j'ai à moitié mal à la gorge, hein, toujours. Alors, ça m'embête parce que, comme vous pouvez le voir, je suis actuellement dans l'ombre. Et dans l'ombre... Ah putain, c'est du cuivre, ça. Ça, c'est du cuivre, chers amis. Hydrazine. Merde, j'y ai cru. Nom de Dieu. Pff, le problème, c'est que c'est très très haut. Question, je peux... Oui, je peux. Intéressant. Ce qui veut dire que j'ai de l'oxygène en quantité illimitée pour le moment. Je ne sais pas, cela dit, combien il m'en reste. 3. Oula. Non. D'accord, je pensais que je pouvais me faire monter comme ça, mais non. Ok, bon à savoir. Voilà. Crac. Comment je vais réussir à monter là-bas? Hop. Deux. J'ai juste besoin d'un tout petit peu plus de distance, c'est pas grave hein, pour l'instant, c'est juste pour récupérer un petit peu, je pense, l'énergie du vaisseau surtout, qui... Ça pourrait être intéressant. Alors je voudrais éviter de le déterrer aussi, ça serait pas mal. Hop, voilà. Dis-moi que tu tiens. Par la magie du Saint-Esprit, elle tient. Alors j'ai toujours pas d'énergie, cela dit. Hein. Ok, allons-y. Rentrons là-dedans. Je ne peux pas parce qu'en fait, apparemment, il y a tout un système. Pas d'énergie déjà. D'accord, donc faut que je rentre par le bon endroit. À tous les coups. Donc potentiellement par le dessus. Oh, génial! Hop! Pierre qui roule, la masse pas mousse. Hop. Tout petit peu d'énergie par un tout petit peu d'énergie. Putain, ça brille rouge. Pourquoi ça brille rouge? Ça veut dire qu'il y a encore des panneaux. Non, c'est pas possible. Cuivre. Oh, alléluia. Titane. Alors ça. Hop. Oui, je sais bien que c'est du titane, mais j'aimerais juste le récupérer. Hop. Non, je voudrais pas descendre comme ça avec, ce serait maladroit. Ah non! Marcus, fais pas ça. Merde, j'ai perdu déjà un truc. J'avais oublié que, voilà, je ne pouvais pas les récupérer si ma première place d'inventaire n'était pas disponible. Ça, c'est un bug. Je pense que c'est clairement un bug. Hein. J'en ai perdu une, c'est dommage. Crac, on récupère. Faut être un minimum économe, chers amis, dans ce jeu, finalement. Là, nous sommes en partie en exploration, nous n'avons pas besoin de les laisser sur place. Hop, et dis-moi que j'ai encore de la place. Alors à l'arrière j'en ai pas. Et devant je n'en aurai pas non plus. Donc ça pue du cul. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Ça c'est quoi? C'est du titane. Alors le titane faudrait que je l'emmène. Faudrait que je l'emmène absolument. Ok. Ça, ça aurait été cool de pouvoir l'emmener aussi, mais vous voyez, apparemment ici, j'ai un truc que je ne peux pas emmener. Je ne peux pas laisser, pardon. Enfin bon, ça revient au même, tu me diras. Ok. En termes de balises, j'en ai encore sur moi? Non, j'en ai plus du tout. Donc pour moi, ça ne vaut pas le coup d'avancer pour le moment. Vous voyez, j'ai un truc ici qui me prend de la place, mais alors quoi?
Qu'est-ce que c'est? Attendez, si je fais de la marche arrière avec genre... Voilà, parfait. Vous voyez, j'ai un truc ici qui me prend de la place. Qu'est-ce que c'est? Personne ne le sait. Ok. On y va. C'est dommage. J'ai juste ce qu'on appelle littéralement un gros bug. C'est dommage, je pensais pouvoir trouver un petit peu de cuivre, mais j'en ai toujours pas. C'est un problème. Alors j'espère pouvoir entamer rapidement l'énergie de mon premier truc, que je puisse entamer aussi ou terminer ce qui serait potentiellement de l'énergie au-dessus. Le problème, c'est qu'apparemment, il veut pas s'en nourrir de l'énergie non plus. Est-ce que tu veux bien t'en nourrir? Apparemment non. Donc apparemment j'ai surtout un truc qui est buggé. En règle générale. Alors on va passer par là. Vu qu'on a déjà creusé l'endroit. Plus ou moins. L'avantage c'est qu'on va pouvoir... J'allais dire finaliser l'endroit mais apparemment non. Fuck it. Hop. Tu dois faire un truc plutôt plat. Une véritable montée quoi. Hop. Ok, on va essayer comme ça. Crac. Par contre là il y a véritablement des choses qui me prennent de la place et je ne sais pas ce que c'est. Ça c'est un véritable problème chers amis. Parce qu'apparemment j'arrive pas à les consommer. C'est ici. J'arrive pas à le consommer et je ne sais pas ce que c'est non plus. Donc si vous savez, chers amis, je suis preneur. Mais ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Nope. Voilà. On va faire ça véritablement comme ça, c'est pas grave. Alors, on a trouvé du cuivre, donc on va pouvoir faire la grue. Ça c'est une bonne nouvelle. Cuivre. Forêt, c'est pas le bon truc. Batterie. C'était pas ici. C'était pas ici. C'était là. Hop, un de cuivre. Et deux de cuivre, je peux la construire. Crac. Ok. En termes d'énergie, on va ici. Ça se passe plutôt bien. Oh putain! Ça vient de me faire de la merde, mais en barre en fait. Donc c'est assez cool. Oh là là! Vais-je être à même de la récupérer? Apparemment non. Ah là 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 là, c'est la merde. Alors non. Peux-tu me récupérer la grue? Oh putain, puis ça m'a recoincé. Ah, ça m'a recoincé. Bon, d'accord, c'est pas grave. Faut absolument... Alors là par contre je viens de perdre 4 de cuivre, j'ai l'impression. Je vais essayer de la récupérer une fois de plus. Mais je ne pense pas que ce soit possible. Hop, on va voir ça. On va voir ça.
Alors attendez. Ok, il y a une astuce apparemment. On va bien voir. Il y a une astuce, faut qu'on arrive à s'en sortir déjà de ça. Merde. C'est bon. L'astuce serait en fait... complètement inefficace. Complètement inefficace, voilà. Génial. Donc j'ai un objet à 4... à un prix de connerie qui est bloqué. Complètement bloqué et complètement pété d'ailleurs. Récupère pas la grue. Oh là 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 là, le bloc est complètement bloqué en fait. Alors bon, je rappelle que le jeu est en early access. Si c'était vraiment nécessaire de le rappeler. Mon truc vient d'être projeté à 3000 km. Hop. Alors attendez, vous voyez, ça le pousse. Alors, je commence à me poser des questions. Rover. Rover grue. Hein. Enfin, Rover, là, ça va être Rover... Ah bon? Il a eu peur de moi. Ah, je l'ai appelé, il a eu vraiment très très peur, là, pour le coup. Hein. Gru, 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 aluminium, voilà, ici. Allez, on y va, Simone. C'est moi qui conduis, c'est toi qui klaxonne. On y va. On va essayer de tirer sur le machin. Oh la catastrophe. Oh la catastrophe. Allez, ah, je suis encore dedans. Je rappelle encore une fois que le jeu est en alpha. Early alpha, même selon ses développeurs. Par conséquent, il faudrait éviter d'avoir peur. Oh là là, je le sens pas. Je le sens pas. Je suis encore coincé. Oh, putain. Ah ! Allez, sors de là, Marcus. Oh là là, mais c'est pas possible ça. Des limites à la connerie. Ça y est, j'ai réussi à m'en sortir. On va retravailler sur le truc là. Non, pas sur ça. Oh, pas possible ça. Est-ce que tu veux bien le lâcher? Ah bah il l'a lâché en fait, je crois. Oh là 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 là, quelle horreur. Ok, non, laisse tomber. J'ai dit laisse tomber. Merci. Oh là 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 là, ça ne va plus. Rien ne va plus, chers amis. Ce truc fait bugger mon jeu. Hop. On va s'en rapprocher encore. Là n'est pas la question, ce n'est pas grave. Si on peut véritablement le bouger, c'est cool. Sinon, je considérerais que le jeu dans l'état n'est plus jouable. Et par conséquent, je retournerai sur Elite Dangerous le temps d'un bug fix ou autre. Ah, attendez. Ben voilà. Est-ce qu'il y a cependant encore un moyen que je prenne cette grue? Il aurait fallu que je la construise directement dessus en fait. Oh là 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 là. Donc oui, c'est bien ce que je dis, ça va littéralement bloquer un truc. Donc à l'heure actuelle, cette partie-là est complètement bloquée. En termes de planète là pour le coup. Ok, bon bah c'est bon à savoir cela dit. Hein.
Bon. Puisque de toute façon cette pièce là ne reviendra pas. Et n'est actuellement pas portable. Ok. Ok, ok. Bon, bah c'est bon à savoir, hein, en quelque sorte. Il est juste dommage que ce truc de véhicule-là ne puisse pas être déplaçable. Ne serait-ce que sur que via le treuil. Nous en sommes à 21 minutes d'épisode. Bah, chers amis, écoutez, moi je vais revenir sur Elite Dangerous, donc sur les prochaines vidéos. On verra, donc, je pense qu'on suivra le jeu au fur et à mesure de son évolution dans le jeu, enfin dans ses mises à jour. Peut-être toutes les une ou peut-être toutes les deux mises à jour, on verra bien le moment venu. Je pense qu'on repartira sur des parties complètes pour bien assimiler tout ce qu'on a, enfin pour bien remontrer ce qu'on a assimilé et montrer justement les nouveautés. Même si on trouve des écarts par exemple en termes de quantité de matériaux, etc. etc., etc. En tout cas les amis, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir suivi ce let's play découverte. On se retrouvera donc pour la suite donc dans Elite Dangerous et pour la suite de cette aventure d'ici quelques mises à jour, ou la prochaine mise à jour en tout cas. Salut !